Alors, bonjour tout le monde. Les productions Doloraclip présentent Evernote. Donc, cette vidéo est la deuxième d'une série de deux qui va vous présenter, en fait, les utilisations de base du logiciel Evernote. Si vous voulez me suivre pas à pas, je vous invite à commencer par avoir un compte sur Evernote. Et si vous ne savez pas comment, allez voir à ce moment-là la première vidéo que j'ai faite qui s'appelle Inscription à Evernote. Alors, dans les utilisations de base, lorsqu'on arrive dans le compte, évidemment, c'est de créer des notes. C'est la base même de ce logiciel. Lorsque vous créez sur Notes, il vous crée donc une note vide. Mais vous avez une petite option ici qui est très, très, très intéressante qui s'appelle Modèle. Donc, vous pouvez cliquer sur Modèle. Et là, vous allez avoir une panoplie de notes, de types de notes. On voit qu'il y en a quand même plusieurs. Vous pouvez même faire une recherche ici en haut pour essayer de vous aider à trouver ce que vous voulez. Enfin, vous avez des collections également, par exemple pour l'école ou pour la vie quotidienne ou pour le travail. Alors, moi, je vais aller pour l'école. Moi, j'aimerais peut-être une note de cours, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de taper ici note de cours. Peut-être juste cours. Alors ici on a note de cours, j'en ai deux modèles, je vais prendre celui-là et on voit qu'il me crée dans le fond une note avec certaines cases déjà préétablies. Je lui mets un titre, mon cours FPT 2711. Donc le thème c'était les technologies. Le cours, ben, je viens de le nommer, FPT 2711. 11, groupe 70 par exemple. Je peux mettre la date, le professeur. Bon, en fait, je peux mettre plein de choses. Et si je suis en cours et que je prends mes notes, je peux même utiliser la fonctionnalité plein écran qu'on retrouve ici en haut de la note qui va me permettre de voir un petit peu plus. Alors, une fois que j'ai pris les notes à l'intérieur, évidemment, je peux utiliser le texte, je peux utiliser la police. Je peux décider de changer la taille, les couleurs, appliquer le gras italique souligné, surligner certaines sections de mon texte, par exemple, d'une couleur. Et une chose que j'aime bien, qui est peut-être moins applicable à un cours, vous pouvez avoir également des cases à cocher. Donc, si vous mettez des cases, la liste à puces, en fait, donne l'impression que c'est que des cases, mais en fait, non. Voilà, je peux cocher. Vraiment comme on pourrait le faire dans un planeur. Donc, ça me permet de faire des notes qui ne sont pas des notes de cours, mais qui pourraient être des notes, par exemple, de liste de tâches avec des puces cochables. Ensuite, bon, je peux mettre un lien et je peux même insérer des objets dans ma note. Par exemple, avec l'option Insérer que vous retrouvez ici à la droite, je vais pouvoir, par exemple, bon, insérer un tableau, un séparateur, mais je peux mettre une photo ou même une pièce jointe qui me permet, par exemple, d'aller chercher quelque chose comme ça et de le joindre directement parce que c'est une image, il me l'a affiché sous le format d'image, mais je peux également ajouter des pièces jointes qui ne seraient pas des images, comme par exemple un fichier, et là à ce moment-là il devient plutôt un lien qui me permet de le télécharger à nouveau. Rappelez-vous les limitations par contre du compte basique, il ne faudrait pas que ça soit des trop gros fichiers parce que passé 20 Mb, vous ne pourrez pas sauvegarder votre note, vous ne pourrez pas les intégrer à votre note. Et là, on voit ici, là, en fait, j'ai 150 bits, donc il n'y a pas de problème. 150 bytes, en fait, 150 octets, et pas de problème. Une fois que ma note est terminée, ce qui pourrait être bien, en fait, c'est de la classer. Et la façon la plus simple de classer vos notes dans Evernote, c'est de l'utiliser des étiquettes. Et l'option n'est pas très intuitive parce qu'elle est tout en bas ici. Et on a tendance à ne pas la voir. En fait, moi, je l'ai raté plusieurs fois. Alors, quand vous allez en bas, vous pouvez utiliser des étiquettes que vous avez déjà créées. On se rappellera que lors de l'installation de la vidéo 1, on avait créé quelques-unes des étiquettes. Par exemple, je sais déjà qu'il s'agit du cours FPT et l'on me suggère de choisir le FPT 2711. Par contre, je vais peut-être dire que cela fait partie du baccalauréat en formation professionnelle et puis ça touche l'éthique, par exemple. Il est possible que ma note aussi touche un sujet qui n'a pas d'étiquette. À ce moment-là, je n'ai pas besoin d'aller la créer dans la zone étiquette ici à la gauche. Je peux juste taper le nom de l'étiquette, par exemple, enseignant Gilles. J'appuie sur Entrée et l'étiquette est automatiquement créée à la fois dans ma classification de notes,
Mais aussi, où est-il, Gilles? Il est là, directement dans mes étiquettes. Donc, ça donne un bon exemple. Maintenant, ça, c'est ce qu'on peut faire de base avec une note. Une fois que tout est terminé, ah, j'allais oublier, on peut la partager. De la même manière qu'on peut partager dans Google, on a cliqué en haut à droite sur Partager. Et là, on peut cliquer l'option Lien partageable. Et là, automatiquement, toutes les personnes qui possèdent ce lien ici pourront aller voir ma note. Alors, titre d'exemple, si j'ouvre une fenêtre navigation privée, ça ressemble un peu à ceci. Donc, ça rend le partage de notes extrêmement facile puisque la personne qui reçoit votre lien n'a même pas besoin d'avoir Evernote pour pouvoir aller lire le contenu, qui est très facile à éditer, comme vous l'avez vu. Maintenant, je peux aussi me servir d'Evernote pour faire du travail collaboratif, par exemple, notes de cours collaboratives ou encore un projet qui serait en commun avec une équipe. À ce moment-là, j'ai plutôt utilisé l'option Inviter des personnes. Et là, je vais taper le courriel d'une personne. Et en faisant ça, je peux choisir quel type d'usage il va faire. Donc, on a le choix peut modifier et inviter. Donc, il y aura les mêmes droits que vous. Donc, il pourra, par exemple, inviter d'autres collaborateurs. Peut modifier, il pourra seulement écrire dans la note et changer les informations dans la note. Ou afficher, à ce moment-là, c'est comme pour l'autre, au-dessus. Sauf qu'au lieu d'être affichable par tout le monde, il est affichable que pour ceux qui ont le lien, qui sont autorisés. Moi, je vais choisir modifier. Et je vais envoyer l'invitation. Ça me demande de confirmer mon adresse, c'est bien celle-là. Je confirme et la personne va recevoir sous peu, en fait, l'invitation là, à collaborer. Évidemment, pour cette personne, elle devra ouvrir dans Evernote la note pour ensuite pouvoir l'éditer. Vous remarquerez que les notes qui sont partagées portent un petit icône particulier vert de personnes, là, comme deux personnes. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, ici et ici. Donc, ça vous indique visuellement comment partager. Donc, ça, c'est la première fonction de base de Evernote. Maintenant, l'autre façon d'utiliser Evernote, en fait, c'est de s'en servir pour glaner de l'information sur Internet. Alors, dans la mise en œuvre, on avait installé le Evernote Web Clipper qui nous permet d'aller chercher des infos. Alors, pour le bien de la cause, moi, j'en ai fait une ici, une note déjà, sous la forme d'un favori. Donc, vous avez une idée de quoi ça a l'air, donne une idée de la page. Et le lien, alors je vais cliquer et je vais continuer. Alors admettons que dans cette zone de page, j'aurais envie d'utiliser cette partie-là ici qui m'intéresse. Alors à ce moment-là, je vais utiliser le Web Clipper. Il va prendre un petit peu de temps pour s'ouvrir. Là, je ne prendrai pas favori, c'est ce que vous venez de voir. Je pourrais prendre l'article en mode simplifié. Je pourrais prendre la page complète. Ou dans mon cas, moi je veux qu'une partie, en fait, je vais lui voler son merveilleux tableau. Alors je vais prendre capture d'écran. Mais avant de faire ça, notez que je peux choisir dans quel carnet je vais l'envoyer. Et moi j'ai un carnet là qui m'intéresse peut-être tout particulièrement, qui est celui qui est mon remue-ménage. Je pourrais avoir un carnet que pour mes notes, par exemple. Alors je vais faire capture d'écran. Je vais lui voler sa merveilleuse image. Et Evernote me l'ouvre dans une espèce d'éditeur en ligne simplifié qui est très intéressant, dans lequel je peux mettre par exemple des flèches pour porter l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Je peux souligner des objets. Je peux évidemment taper du texte. Et je peux mettre certaines petites étampes de couleurs, comme par exemple le point d'interrogation à un endroit ou je ne sais pas. Mentionner à quel point j'aime quelque chose. Donc, une fois que j'ai fait tous mes trucs, je peux ajouter des étiquettes aussi, il n'y a pas de problème. Alors, on va l'appeler Infosphère. J'ajoute l'étiquette. De la même manière que je peux faire avec une note. C'est terminé, je vais dire Enregistrer la capture. Et là, si je retourne dans Evernote, dans mon carnet de notes remue-ménage. Oh, il n'est pas encore affiché. Il prend un petit peu de temps à se synchroniser. On va voir s'il veut bien revenir. La voilà, ma belle note. Et là, ben, comme c'est une note, je peux faire la même chose que je fais avec toutes les autres notes. Donc la partager, par exemple, pour l'envoyer à quelqu'un.
avec le lien. Donc voilà, c'était les fonctionnalités de base de Evernote. En terminant, j'aimerais vous dire que si vous voulez faire plus, Evernote peut faire beaucoup plus. Si vous voulez personnaliser votre profil aussi, sachez que c'est dans le coin supérieur ici, dans vos paramètres, pour aller changer votre mot de passe, par exemple, ou changer votre icône. Et bien voilà. Alors, je vous souhaite une très belle exploration. Je vous souhaite bon succès avec votre Evernote.